Bon, les box terminées, on a fait 1 heure, je pense que ça m'a fait du bien. Je suis vraiment contente d'être allée parce que je m'en bats, j'étais à 2 doigts de ne pas y aller. Là, je vais aller voir, en fait, dans ma résidence, les filles, il y a 2 salles de pilates. Donc, je vais aller voir pour... C'est combien déjà? J'aimerais bien m'inscrire au pilates. Donc, je vais voir. Je vous dirai comment ça coûte. À 2, donc je vais aller au 2 et je vais voir comment ça coûte parce que j'ai vraiment trop envie de m'inscrire au pilates. Je sais que c'est trop bien, genre ça affine, ça muscle, c'est et tu as des résultats hyper rapidement et qui durent sur le long terme. C'est exactement ce que je veux. Donc c'est parti. Bon, les filles, je viens d'arriver, c'est très mignon, c'est très pilates. Voilà quoi, regardez, vous avez même des petits ensembles et tout, c'est très sympa. Là, je vais demander à voir dedans. Je vais vous dire les prix après. Vous avez la salle de bain. Là, il y a une salle comme ça. Là, vous avez... Ça, it's example? Private room. Ah, ok. One on one. Ok. Bon, je vais aller voir au deuxième cours de pilates, les filles. Regardez, c'est trop stylé. Car A. Bref. Bon, je vais aller voir au deuxième cours de pilates, les filles. Regardez, c'est trop stylé. Car A. Bref. Bon, je vais aller voir au deuxième cours de pilates, les filles. Regardez, c'est trop stylé. Car A. Là, je suis au mall. Et en fait, c'est ici le deuxième. Mais c'est beaucoup plus cher que l'autre. Ici. Ah. So that's the HIIT studio, so that's muscle strength and then... Ouais, il me montre un peu. Ah, this is for cardio. Yes. Ah ouais. Ok. C'est hyper stylé, je suis choquée. Too much, hein? Too big. Je suis choquée, ça a l'air trop bien. C'est hyper stylé, je suis choquée. Too much, hein? Je suis choquée, ça a l'air trop bien. C'est hyper stylé, je suis choquée. Too much, hein? Je suis choquée, ça a l'air trop bien. C'est hyper stylé, je suis choquée. Too much, hein? Je suis choquée, ça a l'air trop bien. C'est hyper stylé, je suis choquée. Too much, hein? Too big. Je suis choquée, ça a l'air trop bien. C'est hyper stylé, je suis choquée. Too much, hein? Too big. Je suis choquée, ça a l'air trop bien. C'est hyper stylé, je suis choquée. Too much, hein? Too big. Je suis choquée, ça a l'air trop bien. C'est hyper stylé, je suis choquée. Too much, hein? Too big. Je suis choquée, ça a l'air trop bien. C'est hyper stylé, je suis choquée. En fait, ici, les filles, c'est une salle de sport que pour les femmes. Genre 100% femmes. Franchement, c'est trop stylé. Pareil, ici, ils vendent des petits ensembles et tout. C'est trop... franchement, à Dubaï, c'est... C'est incroyable. Et vous avez plein de cours, les cours de vélo, les cours de cardio, les cours de pilates. Regardez, il y a un sauna, il y a même une salle de prière. Ah, good. Regardez, ils font des cours. Il y a un sauna, je suis choquée, dans la salle de sport. Genre. Des douches. Ok. C'est trop, trop bien. C'est le rêve. Imaginez, il y a ça en France. Imaginez, genre. C'est incroyable. Regardez, vous avez les serviettes à disposition. Vraiment, la salle, elle est immense. Hein. Elle est immense, immense. Je suis choquée. Là, vous avez même un café. This is coffee. Coffee shop. Et je crois là, ils font, vous savez... les milkshakes protéines et tout. Regardez.
salle de pilates. Ici, c'est la 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 salle de pilates. Bon, du coup, les filles, update. Moi, je pense que la salle ici, c'est beaucoup plus rentable parce que déjà, la salle, elle est immense. Oh, mais les filles, j'ai pas pu vous savoir parce que je me suis dit à des voilées qui ont enlevé leur voile. Bref, voilà, j'ai pas snappé. Immense, les filles, il y a toutes les machines. Genre immense. Sauna, douche, coffee shop. Ils font les milkshakes, les trucs protéinés et tout. Et vous avez, comme je vous ai snappé, les cours de vélo. Les cours de cardio en groupe. Les cours de pilates. Et en gros, j'ai accès illimité à ça. Donc, je paye 1400 AED par mois. Donc, ça fait à peu près 350 €. Et j'ai accès à tout ça. C'est pas trop bien, les filles. Et en plus, c'est 100% femmes. Voilà, là-bas aussi, c'est 100% femmes. Mais là, c'est beaucoup plus grand. Il y a plein de trucs. Genre, franchement, très sympa. Je pense que je vais m'inscrire pour déjà tenter le pilates, voir si j'aime ou pas. Là, je fais un cours de test et après, je vois ce que je fais. Je vais là, ils vont m'envoyer un message sur WhatsApp. Enfin, là, je vais booker une séance et après, si ça me plaît, bah, je m'inscris, les filles. Hein. Voilà, parce que là, la coach qu'on a pris avec les filles, elle rentre en France, ça y est. Et après, il restera que la boxe. Et la boxe, on a payé le trimestre. Ça va se finir à la fin de l'année, là. Et voilà. C'est avec toi que ça s'est passé quand le jean, tu as posé la question pourquoi tu es venu. Il a dit ouais, la soeur, elle a regardé l'exercice, j'ai eu peur, je suis rentré dans son non. corps. Voilà. Oui, ça oui, j'avais fait une ruqya à Steinser. Le djinn, il a dit moi, je voulais pas rentrer de base. Je suis rentré parce que j'étais effrayé. Ça m'a choqué. Un djinn effrayé, mais de quoi il est effrayé en fait? Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui lit le Coran, Allahu a'lam. Et je lui dis, de quoi t'as été effrayé? Il me dit, en fait, elle a regardé un film d'horreur, c'était l'exorciste. Elle a regardé un film d'horreur, et quand j'ai vu sa tête, je regardais à côté d'elle, j'ai eu peur. La première chose, j'ai retrouvé refuge, elle avait une brèche, je suis rentré dans elle. Nichel. Et il y avait une. Il est rentré, il est bloqué, il faut sortir quand même. Ça dépend. Il y en a, ils arrivent, il y en a, ils arrivent pas. Il y en a, ils savent pas comment faire. Ouais. Parce que non, ils sont à l'aise, ils restent. Parce que posséder, quand un djinn, il possède un corps humain, c'est-à-dire qu'il possède une propriété. C'est comme si toi, maintenant, tu possèdes un terrain dans une zone de riche qui coûte très cher et pour rien au monde, tu vas le vendre. C'est ton investissement de ouf. Tu montes en grade, en notoriété quand tu possèdes un humain. Donc forcément, ils se sentent meilleurs. Voilà. C'était. Est-ce qu'on en parle? Regardez. J'aime trop. J'ai mis ma mèche un peu comme ça avec le sèche-cheveux, la Célesta. C'est une dinguerie. Je vais faire cette mèche. Comme ça, elle aussi, elle est un peu comme ça en mode. Magnifique, genre. Il est pas trop beau, les filles. Hyper girly, hyper canon. Regardez, il y a même des petits diamants ici, les filles. Vous avez la boîte avec plein d'ustensiles, genre plus que le Dyson, dites-vous. Vous avez une grosse comme ça.
Vous avez une comme ça. Vous avez ça pour les boucles. Vous avez ça pour sécher vos cheveux. Regardez. Trop canon avec des petits diamants. Je suis fan. J'aime trop les filles. J'aime trop, trop, trop. Un comme ça aussi pour sécher vos cheveux. Ah, je crois que ça va avec ça. Ouais. Regardez. Vous avez un gant. Et vous avez des petites pinces comme ça. Et vous en avez deux comme ça. Pour faire les boucles. Trop canon. Genre déjà, il est trop beau. J'aime trop. Très girly comme ça. Rose. Avec les petits diamants, les petits détails de diamants. Vraiment, je le trouve trop canon. Et il marche super bien. Genre en plus d'être beau, franchement, il... Regardez. Regardez, il marche trop, trop bien. Les filles, vous pouvez tout faire avec. Franchement, je suis trop, trop fan. Vraiment. Pépite. Il est vraiment trop canon. Genre, je le trouve trop beau. Vraiment, j'aime trop. Là, vous savez quoi? Je vais tenter un autre en bout. Je vais tenter celui-là. Alors. Ici les images, elles parlent d'elles-mêmes. Bon, après j'ai pas envie d'avoir les cheveux bouclés, donc je vais relisser ça avec un autre embout, vous allez voir. Mais regardez, et en plus franchement c'est hyper facile à faire, parce qu'en fait ça souffle la mèche, quoi. C'est trop canon les filles, je suis fan. Là je vais vous montrer avec un embout pour lisser les cheveux. Moi j'utilise ça pour me sécher les cheveux, les filles. Un embout plat comme ça, il fait brosse. J'ai pas fait les deux mèches dedans parce que je suis un peu en mode genre quoi.
Bref, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Regardez ma mèche, elle est trop belle. C'est de la bombe atomique, les filles. Franchement, je suis fan du sèche-cheveux Célesta. Comme je vous ai montré, vous avez plein d'embouts. Il est trop beau. Il est hyper girly, tout rose. Je suis fan. Alors, moi, les filles qui a le Dyson, je peux vous dire que vraiment. En fait, moi, j'ai toujours dit que le Dyson, ça vaut pas son prix. Je trouve que c'est cher. Ça coûte quand même 500-600 €. Et voilà, c'est pas un truc de ouf non plus. Donc, celui-là, les filles, vraiment pas cher. Et il fait le même taf. Genre, vraiment, les filles, même encore mieux, dites-vous. Parce que déjà, il est rose, il y a plus d'embout. Et regardez-moi ce résultat. Jure, les filles, même avec le Dyson, j'ai jamais réussi à me faire des mèches ondulées comme ça. Trop canon. Genre, vraiment, j'aime trop. Donc, vraiment, les filles, je vais vous partager mon code promo. Pour celles qui veulent le commander, en fait, c'est bientôt les fêtes. Donc, si vous le ferez à votre soeur, à votre cousine, à votre maman ou à vous-même, voilà, pour les fêtes, vous lui faire un petit cadeau. Ben, franchement, les filles, foncez. Hein. Il est magnifique. Vous avez. Franchement, il est trop beau. J'aime trop les détails des diamants ici. Vraiment, il est super, super beau. Donc, vraiment, pépite. Vraiment, la pépite de l'année, les filles. Hein. Vraiment. Mais vraiment la pépite de l'année, je le trouve trop beau. C'est bien parce qu'il y a même la boîte et tout avec, genre. C'est un eyeliner de chez Huda Beauty. Je pense que ça peut faire bien. Alors déjà, on commence par tracer un petit trait. Je vais pas le faire trop long. Je veux vraiment qu'il soit natural. Oui, comme ça. Oh my god. Ah, j'ai une tête de cul. Est-ce qu'on fait cette tête même? Il a un peu séché. Hein. C'est très longtemps que je l'ai. Putain, c'est pas le moment de me lâcher là. Vous aimez ou pas déjà les filles? Je sais pas si je le fais jusqu'au bout. J'aime bien les filles, c'est canon. Et franchement, je l'ai trop bien fait. Genre, je l'ai pas fait trop gros. Je l'ai fait vraiment. Bon, il est pas top, faut que j'en achète un autre. Mais est-ce que vous aimez ou pas? Ou pas du tout, genre. Je vais mettre un peu plus de mascara, je pense. Mais j'aime bien. Ça change. Bon, la pointe, elle est pas ouf. Attendez, je fais la deuxième chose. Et voilà, les filles. Franchement, j'aime trop. Je trouve que c'est vraiment trop beau. Je vais aller en acheter un autre parce que celui-là, il a séché. Il est pas ouf, quoi. Mais franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez ou pas, si je fais ça plus souvent. Ça fait trop mignon. J'aime trop. Vraiment, là je suis trop contente parce qu'en fait je fais une petite story pour vous expliquer un peu. Comme vous avez pu le voir dans le snap précédent, j'ai été invitée à un événement, un big événement qui va se faire sur Dubaï à 100% algérien. Donc franchement, ça va être trop bien, ça va se faire dans le désert. Il faut savoir que cet événement, les filles, il est ouvert au grand public. Donc vous pouvez même venir, tout le monde peut venir pour amener vos enfants. Il y aura plein d'activités pour les enfants. Ça va être trop bien. La nourriture sera 100% algérienne, la musique sera 100% algérienne.
y aura aussi des personnalités algériennes qui vont venir pour faire des meet-ups, se présenter, présenter leurs projets, etc., etc. Ça va être vraiment festif, ça va vraiment être trop bien. Donc moi, je serai là. Normalement, Maëva sera là. Normalement, Camila aussi, elle sera là. Donc franchement, les filles, vraiment. Bon, moi, je suis tunisienne, mais j'aime trop l'Algérie, j'aime trop le Maroc. Voilà, c'est pareil pour moi. C'est vraiment pareil. Donc vraiment, je suis trop excitée d'aller à cet événement. Et donc voilà, pour toutes les personnes qui veulent venir à l'événement qui va se situer à Dubaï, du coup, dans le désert, le 30, vous pouvez venir, les filles. Je vais vous partager le flyer dans le prochain snap. Donc l'entrée sera payante parce que vraiment, c'est un grand événement. Comme je dis, il y aura la nourriture, etc., etc. Et c'est un événement vraiment pas comme les autres. Donc vraiment, pour toutes les personnes qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. En tout cas, moi, je serai là. J'ai vraiment hâte. Je vais même mettre une petite tenue algérienne, etc. Je vais vraiment me mettre dans le thème 100% Algérie. Je vais mettre une petite veste d'Algérie et tout. Et je vais prendre les enfants aussi parce que, comme je vous disais, c'est vraiment... même les enfants, ils peuvent venir, il y aura des activités pour eux, etc. Donc, je vais vous mettre le flyer dans le prochain snap. Donc, vraiment, les filles, venez. Ça va être trop bien. Ça va être festif. On va rigoler. Voilà, thème Algérie et tout. Donc, franchement... Trop bien, j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, vraiment, je vais vous partager le prochain snap. Dans le prochain, je partage le flyer avec toutes les informations, etc. Et voilà, donc pour toutes les personnes qui veulent venir, vous êtes les bienvenus, venez. Vraiment, c'est une personne que j'apprécie. Vraiment, mon combo, c'est le plus beau. Alors, à chaque fois, on me demande mon combo lèvres, les filles. Je vais vous montrer. Alors, déjà, j'utilise le crayon de chez H Glam, la teinte cappuccino. Donc, pour ce combo-là, c'est celui-là. Alors, il est assez foncé. Regardez, je vais le swatcher pour vous montrer. Regardez, il est très foncé. Mais en fait, vu qu'après, je mets le rouge à lèvres par-dessus, en gros, ça l'estompe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, je mets un rouge à lèvres de chez NYX. C'est la teinte Toulouse. Il est comme ça. Magnifique. Il est vraiment trop beau. Et ensuite, je mets le gloss de chez Huda Beauty. Magnifique. Il est trop beau. Et c'est la teinte Suga Baby. Je ne ferai pas la même erreur que sur mon live. Il est incre. Voilà mon combo lèvres, les filles. Je vais vous écrire, franchement, screener. Vraiment pépite. C'est canon ce combo, j'aime trop. Très rose. Ouh là là. Moi, j'aime trop les combos rosés, genre rose. Je trouve que c'est vraiment ce qui me va le mieux. C'est trop bon. Par contre, les chips, elles ont un peu ramolli. Très copieux. Hein. Vraiment, c'est trop bon. Je vais manger comme ça parce que les chips, elles ont ramolli. Ça manque de sauce. Une sauce comme ça qu'ils m'ont mis. Ils sont très bons d'ailleurs. On va mettre un peu de citron. Imran, je crois qu'il aime plus la nanny que sa propre mère. Déjà, il aime trop. Ouais. Mes enfants, il aime trop parce que voilà, ils la connaissent depuis très longtemps. Là, elle est tout le temps là, elle est H24 à la maison, etc. C'est vraiment un membre de la famille, quoi. Et déjà, ma soeur m'a fait la réflexion. Elle m'avait dit, ouais, c'est normal que tes fils, ils préfèrent la nanny que moi et tout. Genre, en gros, en parlant d'elle, pas de moi. Son enfant, elle m'a dit, quand j'étais en France, elle était chez moi. Déjà, elle avait remarqué qu'ils préféraient plus la nanny que leur tante, déjà. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais leur faire la douche. Parce qu'Hassan, il veut que c'est moi qui lui fais la douche. Du coup, j'ai dit, vas-y, ok, je vais vous faire la douche. Et du coup, j'ai appelé Marine, je viens faire la douche et tout. Il est venu, il m'a dit quoi?
Non, mais je veux pas que c'est toi qui me fais la bise, je veux que c'est elle. Ça va. Et je vous ai écouté, au lieu de la mayonnaise, j'ai mis du fromage blanc. Comme ça, c'est plus healthy. Hein. Donc, je vous dirai si ça a le même goût ou pas. Voilà. Vraiment, les filles, cette recette de marinade de poulet, elle est excellente. Je vous jure, je la fais tout le temps. Trop bonne. Donc, n'hésitez pas à la refaire et vous me dites ce que vous en pensez. D'ailleurs, toutes celles qui l'ont fait, parce que la dernière fois que je l'ai partagé, il y avait plein de screens. Bah, dites-moi si vous avez cuit ou pas, les filles. Mais vraiment trop bon. Et moi, je l'ai fait cuire au air fryer. Rapide, simple. Je ne me casse même pas la tête, les filles. Ça, c'est vraiment une recette hyper simple et hyper rapide à faire. Hop. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la sauce comme ça par-dessus. Je vous dirais s'il y a une gif avec la mayo et le yaourt. Il y en a plein qui m'ont dit de faire ça. C'est moins calorique et petite recette healthy de poulet, quoi. Voilà, nickel. Et là, ça va au air fryer. Nickel, voilà, mon amour de ma vie. Oh, je l'aime, ce fils. Oh, ce fils, je suis amoureuse. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Dis je t'aime, maman. La plus belle du monde. L'amour de ma vie. À la vie, à la mort. Ça, c'est... C'est parti pour une petite recette hyper rapide et hyper bonne. Vous connaissez la sauce au chèvre. Une sauce que moi aujourd'hui je vais faire avec des raviolis au butternut, mais que je fais aussi souvent avec des pâtes. Si vous aimez le chèvre, cette recette elle est juste excellente et très facile à faire. Alors pour cette recette, elle a besoin de raviolis au butternut pour ma part. Une crème, de la crème fraîche. Chèvre, alors du chèvre sans le crouton. Vous voyez ce que je veux dire, ou pas que le milieu quoi. Ici la sauce chèvre, il n'y a pas plus simple. Et votre crème, moi j'ai pris celle-là, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Vous la mettez. Ah, oh my god! On va dire mettez 200 g de crème. Ensuite, on vient prendre le chèvre. Mini bûche de chèvre, je pense que je vais en mettre 2 ou 1, je sais pas, on verra. En fait, il n'y a pas la croûte, du coup c'est facile à cuisiner, c'est trop bien. Et moi j'ai pris celle-là. Ah, il y a une herbe, elle est très bonne. Vraiment, cette sauce, si vous aimez le chèvre. Moi, j'aime la faire pour les petits parce qu'ils aiment trop et c'est facile à faire. C'est vraiment hyper rapide. Et là, on vient en fait faire fondre le chèvre, l'écraser. Ici, au niveau de l'assaisonnement, moi, je rajoute un peu d'herbe, mais bon, c'est facultatif. Hein. Mettre de l'herbe partout. Ensuite, je mets du poivre, un peu de poivre, un peu de sel. Petite sauce qui est vraiment trop bonne. La sauce est prête.
Là, j'éteins le feu, tout, ça y est, c'est bon, tout a fondu, voilà quoi. Trop bonne. Je vais faire avec des pâtes, pâtes normales quoi. Mais je pense, alors c'est la première fois que je fais ça, mais je pense que chèvre, butternut, ça va être incroyablement bon. Dressage, c'est parti. Alors je prends mes raviolis comme ça. Ensuite, je viens mettre la sauce par-dessus. Oh my god, ça c'est un vrai repas excellent les filles. Vraiment, vous testez cette recette, vous m'en direz des nouvelles, mais vous allez trop aimer. Si vous aimez le chèvre, vous allez kiffer. Je vais goûter les raviolis butternut avec une petite sauce au chèvre. Mmh. Oh, c'est une tuerie les filles. Imaginez le mélange de butternut et de chèvre. C'est un régal. Vraiment les filles, testez cette recette, vous allez être kiffer. Et avec, j'ai fait des petits pilons de poulet. Comme je vous ai dit, je vous avais déjà la recette sur mon TikTok. Mmh. La marinade. Bon mes stars, comme promis, j'ai une big offre Smile Addict. Vous savez que Smile, c'est vraiment ma marque préférée d'amour. C'est grâce à ça que j'ai les dents blanches, c'est avec ça que j'entretiens mes dents. Donc voilà, la base vraiment. Et tout le monde devrait avoir du Smile à la maison. Parce que je pense que tout le monde doit avoir les dents blanches. Les filles, c'est le but. Donc c'est parti, je vais vous montrer mes indispensables. Alors déjà, on a mon fab. C'est les bandes. Grâce à ça, les filles, j'ai les dents blanches. En fait, ça, les filles, c'est un blanchiment digne de chez le dentiste. Enfin, j'ai les filles, mais aussi les garçons, parce que vous aussi, au dehors, les dents blanches et propres. Digne de chez le dentiste. Donc, c'est des bandes. Je vais faire ma petite. Je vais poser les bandes pour moi. Vous posez les bandes et vous laissez poser 30 minutes. Ok? Et ça, en fait, ça c'est un traitement de 14 jours. Vous le faites pendant 14 jours. Et déjà, au bout de 2-3 utilisations, vous allez être choqué des résultats. Alors, vraiment, vous allez être choqué, c'est de la bombe. Et en fait, ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça rend les dents blanches vraiment sur du long terme. Donc, c'est un traitement de 14 jours, mais vous allez avoir les dents blanches vraiment sur du long terme. Et ça, c'est vraiment trop, trop bien. Par contre, donc, ça, comment les dents, elles sont blanches tout le temps. Et en fait, juste, je les entretiens. Avec ce que je vais vous montrer après. Donc là, j'ai mis les bandes. On va laisser poser 30 minutes. Ok, les filles. Donc ça, c'est la base. Ok. Ensuite, après, je vais venir brosser mes dents avec la poudre. Indispensable aussi pour entretenir et blanchir les dents. D'accord. Après, on a le dentifrice, mais je n'en ai plus. Je vais terminer. Il faut que je me recommande d'ailleurs. Donc, indispensable, c'est le dentifrice, ça va venir blanchir, entretenir le blanchiment, nettoyer les dents, etc. Donc, vraiment la base. Et ça, les filles, c'est un sérum que vous mettez avant d'aller en date, avant d'aller à un mariage. En fait, ça vous blanchit les dents en 3 minutes chrono, mais c'est éphémère. Donc ça, c'est bien quand t'es pressé, quand t'as la bourre, quand t'as pas le temps. Quand vraiment, il faut vite avoir les dents blanches. Mais ça aussi, c'est un indispensable à avoir. Genre, vraiment, ça sauve la vie. Et moi, je le fais tout le temps d'aller au resto avant de sortir et tout comme ça. J'ai un petit coup d'éclat à mes dents. Pareil, c'est la base.
Vraiment, les hommes, les femmes, prenez soin de vous. En fait, les filles, comme je vous dis, enfin, j'ai les filles, c'est un réflexe de dire les filles. Comme je vous dis tout le temps, vous savez, les dents, le sourire, la bouche, c'est vraiment un truc. Enfin, en fait, quand tu parles à quelqu'un, c'est la première chose qu'on regarde. C'est la bouche, toi, les dents. Donc, c'est vraiment important d'avoir des dents en bonne santé, des dents à peu près blanches. On ne dit pas avoir des dents blancs lavabo, mais avoir des dents quand même un minimum blanches, bien entretenues, etc. Et franchement, moi, je vous dis tout le temps, hein, les produits Smile, c'est de la bombe atomique. Les filles, je jure que mes dents sont blanches comme ça grâce à ça. On me complimente tout le temps sur mon sourire, tout le temps sur mes dents. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est de la bombe. Et à chaque fois, je dis, c'est grâce à Smile, c'est grâce à Smile, c'est grâce à Smile. Vraiment, c'est de la bombe. Et point ultra, ultra important que j'ai oublié de vous dire, les produits Smile, ils sont 100% naturels. Il n'y a pas de peroxyde à l'intérieur. Donc, ça n'abîme pas, ça ne fragilise pas. Il n'y a que des bienfaits. Il n'y a que des bienfaits. Ça entretient vos dents, ça les blanchit. Ça les nettoie, vraiment, il n'y a que des bienfaits. Et voilà. Moi, j'ai les dents très sensibles. Je ne supporte pas tout ce qui est blanchiment chez le dentiste avec la grosse lampe, etc. J'ai mal au, ça me fait mal, je ne supporte pas. Ça, zéro douleur, je le laisse 30 minutes, normal, alors qu'il y a des bandes, pas de la marque Smile, mais où il y a du peroxyde, etc. Et quand vous les mettez, ça fait mal aux dents. Donc voilà, moi, je vous dis ça, même si vous avez les dents les plus sensibles. Vous n'allez pas avoir de douleur. Vraiment, je vous le garantis, les filles et les garçons. Donc voilà, prenez soin de vos dents. Écoutez-moi. C'est de la folie. Moi, je vous conseille toujours de prendre le pack parce qu'il y a tout dedans. Il y a le dentifrice, il y a les bandes, il y a la poudre, il y a ça, il y a la brosse à dents. Comme ça, vous avez tout, vous êtes tranquille.